On s'est arrêté, c'est Jérém. Attends Théo. Jérém, il avait froid ses petits pieds. Oh la vache. Du coup, je lui ai mis. En chaussons en fait, d'habitude. Du coup, je lui ai mis des chaussettes à chauffer sur le poêle, comme le poêle était encore un peu chaud. Et. Je lui ai pris ses petites chaussettes. Je lui ai mis ses petites chaussettes toutes chaudes. Ça va mieux? Allô, tu veux là? Bah là, elle est encore sur le poêle. Je roule en chaussons d'habitude et là, je commençais à plus sentir mes pieds. Mais vraiment, je les sentais plus. J'arrive même plus à sentir l'accélérateur et tout. C'était ses chaussettes. Ouais, ces grosses chaussettes de ski. Mais un peu serrées dans les chaussures. Du coup, je vais rouler avec les après-ski. Voilà. En tout cas, voilà, bah, je peux vous dire qu'il n'y a aucun véhicule sans chauffage additionnel qui peut se permettre d'aller, d'aller dans des températures comme ça. Parce que même Flash, avec son moteur à lui, il n'arrive pas à suivre. C'est vrai, hein. On est obligé d'allumer le poêle. Donc, si vous voulez dans les grands froids comme ça, il faut mettre absolument un chauffage additionnel pour aider le moteur. Parce que même les moteurs, ils n'arrivent pas à suivre. Et ça, c'est inévitable. Et là, dehors, il fait... Je regarde... Il fait moins 15, moins 16 quasiment. Donc on va essayer de redescendre un peu pour retrouver un peu de douceur. Un peu, ouais. On va essayer de voir ça. Direction Stockholm. Ça va, il reste que 880 km. On va le faire tranquillou, hein. C'est moi cette nuit qui me suis levée, tiens d'ailleurs. Ah, ah. Je me suis levée cette nuit toutes les 2 heures. Donc minuit, 2h, 4h, 6h, 8h. Et on a pris la route vers 8h30, 9h. Et pour que Jérém puisse passer une bonne nuit, pour qu'il puisse se reposer pour faire la route. Quoi. Alors aujourd'hui, on part visiter Stockholm. C'est comment que ça s'appelle déjà, la vieille ville du Nord, c'est ça? Bon, il y a la petite Venise de la vieille ville, je crois, c'est ça. La vieille ville du Nord, je crois que c'est ça comment ça s'appelle. On va essayer de trouver un emplacement parce qu'apparemment, c'est pas évident du tout de trouver un emplacement. Non. Et si on trouve, c'est hyper cher. Apparemment, je crois que c'est une vingtaine d'euros pour la journée. Donc on va essayer de trouver un emplacement, de trouver un truc assez sympa qu'on n'ait pas trop à marcher. Et puis voilà, donc on va vous faire visiter tout ça. Allez, c'est parti. En plein centre de Stockholm, on a voulu se garer, mais en fait, c'est juste pas possible. En fait, c'est un merdier monstre. C'est les toutes petites rues. Il y a des travaux, ouais. En plus, il y a plein de travaux. Tout est payant, normal. Ouais, tout est payant, normal. Mais en plus, je crois que j'ai vu qu'ils prenaient pas la carte bancaire. Du coup, bah, nous, on n'a pas de change de couronne suédoise. Du coup, c'est un peu la galère. Et moi, j'avoue, là, je commence à péter un plomb. C'est bon, je veux tout bien, j'ai tout essayé, j'ai essayé de passer par là, mais c'est bouché, passer par là, il me refait un peu kilomètre pareil.
Du coup, ouais, le GPS, il nous fait faire... Le rouge et tout, je commence à avoir super chaud, là. Le GPS, il nous fait faire des demi-tours, des... Enfin, bref, c'est un peu n'importe quoi. Du coup, bah... Du coup, bah tant pis, on fait demi-tour et puis bah on... Voilà, Stockholm, il n'y en aura pas, Stockholm. Il n'y en aura pas, c'est pas possible. Ouais. Ça vous dérange, hein? Non, pas du tout. On n'a pas le choix. Bon. On n'a pas le choix. Donc j'ai mis direction Copenhague, là, c'est la grosse direction. Allez hop, on se tire de là. Moi, j'en peux plus, là. C'est là, je prends pas de plaisir, là. Tu as envie, c'est de mettre mes savates et de rentrer chez moi. J'en peux plus, là. Quelle violence. Je ne supporte plus cette ville. Qu'une envie, c'est de foutre mes savates et merci, bonsoir. Cette violence. Et moi j'ai un bon américain frites là, tiens. Oh wesh. Ah c'est bon là. J'ai essayé, hein. Ça fait une heure qu'on tourne, j'ai essayé. J'ai mis de la volonté, hein, chouchou, ouais, j'ai mis de la volonté. Là ça veut pas. Ça c'est veut trop pas, stressant ça là, ça klaxonne dans tous les et sens, oui, c'est stressant. Oui, je commence à être fatigué, j'ai plus la même motivation qu'avant et là je peux plus quoi. Je peux plus. J'ai demandé à tout le monde si c'était pas grave, ils ont dit non c'est pas grave. Là, là non. Je vais me consommer, je fais des allers-retours à droite, à gauche, des kilomètres en plus, ça va bien. Allez hop, on s'en va. C'est bon. Allez, je vais me calmer là. Ah, je crie encore un feu rouge, mais je fais que ça, griller des feux rouges depuis tout à l'heure. En même temps, faut dire que les feux ils sont cons. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'en ai marre, je vais péter un peu. Ah, faut que je m'arrête, faut que je m'arrête pour souffler, faut que je suis une clope. C'est super. Ah, mais, putain, qu'est-ce qu'il y a, super? Faut que je suis une clope, pourquoi? N'importe quoi. Pourquoi? C'est n'importe quoi. Bah dis-moi. Bah parce que tu vas pas fumer une clope parce que t'es énervé. En ouais, plus on en a pas et en plus on fume pas. Ah ouais, je fume pas, merde. C'est rien à moi, tout le truc. Du Monster, ça va être encore plus. C'est bon, il y a des choses plus graves dans la vie. Hein. Comment on dit là, les chakras, je sais pas quoi. Calme-toi, respire, ouvre tes chakras, ouvre-toi au monde. Prends ta respiration plus profonde de toi. Je sors de cette vie.